Mango, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo haul et bien sûr avec une nouvelle tête. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, et bien vous avez déjà eu l'exclusivité parce que je vous ai dit directement que j'allais faire un changement radical. Vous avez vu ce changement. J'espère en tout cas que par ici ça vous choque pas, mais c'est vrai que j'ai tellement aimé porter la perruque l'autre fois que je me suis dit allez c'est bon, saute le pas. Aussi pour la team Snapchat, et bien vous savez que vers la mi-janvier c'était mon anniversaire et du coup c'était aussi l'occasion de me dire vas-y lâche-toi, tente le coup, c'est 2018, on y va. Et je suis pas du tout déçue, j'aime beaucoup. Donc je sais pas si vous voyez à la caméra, mais il y a des sous-tons bleus. Ce n'est pas vraiment un gris lambda. J'ai vraiment voulu faire un gris polaire, mais avec des reflets soit lilas ou bleus. Et là j'adore, tout ça trop joli. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. On ne va pas s'attarder sur ma coupe, on va directement passer au haul. Mais bien sûr, comme toujours, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un big thumbs up, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, c'est juste ici. Et bien sûr, à me laisser tous vos avis en commentaire et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui sont comme toujours listés en barre d'infos. Si vous suivez mes actualités, vous savez que fin décembre, début janvier, eh bien j'étais en Hollande et du coup j'ai pu bénéficier des soldes parce que là-bas ils commençaient soldes un peu plus tôt que nous. J'ai fait d'une pierre deux coups, ça serait un haul Hollande, mais soldé. Aussi, je sais, j'ai beaucoup de retard, mais je vous ai demandé sur mes réseaux sociaux, est-ce que ça vous plairait quand même de voir ce haul? Et vous m'aviez dit oui, parce que justement, en décembre, je vous ai amené beaucoup avec moi par le biais de Snap, et justement, à chaque fois, je vous amenais avec moi dans les boutiques, etc. Je vous posais des questions, je vous disais, allez, est-ce que je le prends ou pas? Enfin, voilà, bref. Et je pense que ça vous a plu, c'est pour ça aussi, notamment, que vous étiez une grande majorité sur Snapchat à mes yeux. Tu nous fais ce haul sur YouTube, s'il te plaît. Que c'est ce manteau, il est mi-long et il a une coupe aviator un peu. Le détail qui m'a plu aussi, c'est le côté moumouteux comme ça au niveau du col, sur les épaules et aussi au niveau des poignets et même sur les poches comme ça. Alors je sais pas si vous voyez correctement le manteau, mais je pense que je vais vous faire un petit focus, soit je vais le mettre ici ou un petit peu plus tard dans la vidéo. À l'intérieur également il y a du... la moumoute comme ça, je sais pas comment dire. Et derrière vous avez au milieu du dos un liseré aussi qui passe et qui a un petit peu de moumoute. Pour la petite histoire de ce manteau, je me suis rendue plusieurs fois chez Primark et en fait je l'avais vu porter sur un mannequin, soit en vitrine ou soit directement en magasin, et je me suis dit mais il est trop beau, c'est pas possible. Et en fait une fois que je l'ai touché et que j'ai vu surtout son prix, ça m'a vraiment freinée, parce que si vous voyez ici son prix, il était de 40€ de base, et là je me suis dit non mais... c'est pas possible, parce que c'est une qualité Primark en fait. Je trouve qu'il fait un peu cheap, pas trop, parce que associé avec des bonnes pièces, et eh bien ça peut faire vraiment un look très joli et surtout ça peut casser le côté cheap. Mais pour 40€, je me suis dit jamais pas les gars, non non non. Quelques jours après je suis retournée là-bas et c'était le dernier et il était soldé cette fois-ci à 20€. Et là je me suis dit bon allez, 20€ ça va, c'est toujours mieux que 40€. Quand je l'ai essayé je me suis dit ah non, il est vraiment trop trop beau. Et je l'ai pris. Au niveau de la taille, étant donné que c'était le dernier, c'était un 40. Normalement je porte du 38, mais étant donné que je suis assez grande, le 40 ça passe aussi. Et ouais, il est trop trop joli. On passe au deuxième article. Au deuxième achat, je ne peux pas l'excuser, je pense qu'on est toutes pareilles. Comment aller chez Primark sans craquer sur un pyjama? C'est pas possible. Donc pour tous ceux qui sont de la génération 90, je pense que ce pyjama va vous parler aussi. Et voilà, c'est sur le thème old school et en fait c'était les rases moquettes. Quand je l'ai vu, je me suis dit ah non, j'étais assez mitigée quand même, parce que les pyjamas très foncés ou noirs, je n'aime pas trop, parce que bon, j'ai gardé toutes les étiquettes, super, comme ça j'ai les prix. Et il était à 7€ et je l'ai payé en promo à 5€, mais je me suis dit non, je le prends. Aussi j'ai vraiment aimé le short. Donc bien sûr les gars, si vous savez que vous avez du bam bam comme moi, faites attention, mais ouais, ne mettez pas ça pour choquer les gens. Ne mettez pas ça quand vous savez que vous allez avoir des invités ou quelqu'un qui va passer votre facteur ou on sait pas. Parce que ça c'est dangereux, hein. Et alors c'est plutôt un boxeur, parce que franchement la coupe au niveau des fesses ça remonte comme ça. Donc c'est un peu incurvé. Mais bon, alors au niveau de la taille vous avez un gros élastique. Et le détail qui gâche un peu pour moi la beauté de ce short, après bon, les goûts et les couleurs ne se discutent pas, mais c'est ce petit nœud au devant, je comprends pas. Alors mettre un petit nœud au devant ça me dérange pas, mais alors la couleur et la texture, je saurais pas vous dire, c'est une texture un peu en coton comme ça, mais je ne saurais pas vous dire exactement quoi. Et
les surpiqûres en blanc aux extrémités comme ça, on dirait juste une autoroute, c'est pas possible, je comprends pas, enfin bon. J'ai pris du M. Ensuite, nous allons passer avec ce plaid, et cette fois-ci c'est plutôt un cadeau qu'un achat, donc je tiens encore à dire merci pour ce cadeau. Et en fait, c'est de la collection Disney. C'est trop bien parce qu'en fait, il a une capuche et il a des petites mouflettes, comme ça vous pouvez mettre vos mains à l'intérieur. Au niveau du prix, comme vous le voyez juste ici, ou peut-être pas, il était à 18€, mais il était soldé. Du coup, je ne sais pas du tout à combien il est passé parce que comme c'est un cadeau. Mais voilà, c'est un plaid trop trop choubidou. Aussi, Bourriquet, ce n'est pas spécialement un de mes personnages préférés de Disney, mais alors la couleur comme ça, pastel, bleu bébé, j'adore, et je le trouvais trop trop cute. À l'intérieur aussi, vous avez une petite matière un peu moumouteuse comme ça, toute blanche, et franchement, il me tarde de le porter et d'avoir le swag, et bien sûr, je pense que là, ça ira super bien avec mes cheveux. Ensuite, j'ai pris ces deux packs de faux ongles que vous pouvez coller directement, vous savez, et en fait, je porte celui-là depuis bien début janvier, je crois, et ça m'a pas lâché. Bon, bien sûr, j'en ai juste un qui est parti en courant et j'ai trop la flemme de le refaire. Dans cette collection, en fait, vous avez des modèles qui sont plutôt bling bling avec des strass ou des petits bijoux, enfin bref. Et j'ai vraiment craqué sur ce modèle là, je trouvais trop trop beau. Vous avez des ongles qui sont soit bordeaux, soit tout pailleté, ou alors soit nude avec des détails de strass, etc. J'ai trouvé tellement bien que je me suis dit non, ici en France on n'en trouve pas des comme ça. Et franchement, je trouve qu'on se fiche un petit peu de notre tête ici à Paris, parce que dans les autres Primark, et j'en ai pas fait qu'un à Hollande, j'en ai même vu je sais plus trop où, mais ouais, je trouve que dans le reste de l'Europe, ils ont le choix dans tout, que ce soit chaussures, pyjama, vêtements, beauté, etc. Je trouve qu'on n'a pas assez de choix, je trouve que nous on est très limité. Enfin bref, le second c'est celui-ci qui est de la collection Square, et en fait c'est une coupe un peu plus courte et carrée, toute simple, basique. Et la couleur c'est du mauve un peu lilas comme ça, et j'adore cette couleur. Enfin, je vous ai dit, hein, les couleurs un peu pastel bébé comme ça, j'aime beaucoup. Et il m'a coûté 1,50€. Sachez que dans chaque pack, ah non, mais dans ce pack là vous avez 36 petits patchs faux ongles comme ça, et dans celui-ci vous avez 24. Dernier article chez Primark, et eh bien c'était ce set de pinces à épiler. Celle qui m'a fait prendre ce set là, c'est bien sûr Amsterdam, inscrit comme ça avec une petite bicyclette, je sais pas si vous voyez, mais je trouve ça trop cute. Et voilà, je me suis dit ouais, je pourrais pas partir sans. Et ça coûtait aussi 1,50€. Ensuite, je vais passer rapidement avec un magasin qui s'appelle Big Bazaar. J'ai effectué un seul article là-bas. Et c'est un peu un magasin, comme le nom l'indique, qui rappelle Action, parce que vous avez vraiment tout à l'intérieur. De l'alimentation, de la déco, de l'électroménager, mais vraiment un peu tout. Et j'ai craqué pour cette petite chose. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une poudre pour faire les chocolats instantanés directement. Voilà. Et en fait, pourquoi je l'ai acheté? Parce que c'était au goût Bounty. Et je me suis dit non, j'ai trop envie de tester, c'est particulier, enfin j'avais jamais vu ça. Et au niveau du prix, ça coûtait mais rien du tout, ça coûtait misère ce truc. J'ai pas par contre gardé le prix, mais je crois que ça coûtait moins de 2€. Alors c'est un paquet de 100 grammes, je pense que ça dure beaucoup. Vous pouvez, je sais pas combien de chocolat vous pouvez faire avec, mais il me tarde de tester. Je vous dirai aussi mes impressions directement sur Snapchat, donc restez connectés. Nous passons donc avec une boutique qui s'appelle Solo, et là, sur Snapchat, mais je vous ai fait découvrir toute la boutique, parce que franchement ça, c'est dommage, on n'a pas ce genre de magasin à Paris. Franchement, ce sont des magasins en fait créatifs, surtout pour rien, pour une bouchée de pain. J'ai pris ces trois magnets, et en fait, sachez que quand je pars à l'étranger ou en voyage comme ça, j'aime toujours me prendre quelque chose typiquement du pays, ou quelque chose qui me rappelle, enfin vous savez, des souvenirs quoi. J'aime trop ça, et ça me rappelle aussi tous mes voyages en fait, et ça m'a rappelé ça, et j'ai trouvé trop trop cute. Donc le premier qui se présente comme ça, il a des illustrations mais un peu plus enfantin, un peu plus folklorique on dira, de la Hollande précisément, et ça me fait vraiment vraiment beaucoup penser au petit sujet là comme ça, c'est trop cute. Le deuxième, c'est toujours des illustrations mais cette fois-ci un peu plus travaillé. Au milieu vous avez une laitière, et en haut ainsi qu'en bas vous avez la ville de Delft. Et le dernier, il se présente, c'est la ville de Den Haag, donc j'ai été pendant un moment là-bas. Et ici ce sont des photographies, pas des illustrations. Vous avez la ville, le cœur de la ville, quelques monuments phares aussi. Vous avez une photo en noir et blanc. Un achat que j'ai effectué, et là quand je l'ai vu, ça m'a fait vraiment sourire, parce que j'adore me faire des bains moussants. Donc coussin de bain,
en forme de coquillage. Donc là vraiment je pense que je vais me sentir comme une sirène chez moi. Et ça m'a pas coûté trop cher non plus. La couleur encore une fois c'est totalement moi, un espèce de bleu pastel très doux. Et j'aime beaucoup aussi le fait qu'il a, ah oui, il a des ventouses, donc vous pouvez vraiment le clipser sur votre baignoire, ça va pas bouger. Maintenant on passe à la boutique TK ou TJ Maxx. Je sais jamais, j'ai quelqu'un qui visuellement, si l'objet me plaît, eh bien je suis capable de craquer dessus, mais j'essaie de me raisonner. Alors, c'est ce produit, il se présente comme ça. C'est trop cute parce qu'il ressemble vraiment à une bouteille de lait à l'ancienne, vous savez, et en plus il est en verre. Du coup, je l'ai payé 4,99€ et qu'est-ce que c'est? C'est un lait pour le bain de la marque Scottish Fine Swaps Company. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, je suis désolée si j'ai écorché votre nom, mais bon. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est un côté un peu humour parce qu'ils ont appelé ça au lait. Et en fait c'est une gamme complètement, vous avez des savons, des scrubs pour le corps ou alors des crèmes aussi, je sais plus trop. Mais moi j'ai vraiment craqué pour ce format là parce que du lait de bain, j'avais jamais testé ce genre de produit. Et en plus il paraît très onctueux. Quand je l'ai senti, c'était vraiment une odeur très douce, une odeur un peu de bébé. Les deux articles donc que j'ai acheté, et pour moi ça a vraiment été une découverte, une révélation, un bon plan, ce que vous voulez, c'est de la marque Stephanie Johnson que je ne connaissais pas du tout, mais j'ai vraiment eu un coup de cœur quand j'ai vu ce produit là. Donc le premier que j'ai acheté, parce que par la suite je me suis rendue à nouveau dans la boutique, c'est donc une petite trousse comme ça en format agenda. Je ne sais pas comment on appelle ce genre de produit, mais vous pouvez mettre votre notebook etc à l'intérieur. Et surtout quand je l'ai vu comme ça, il est en couleur un peu beige nude avec des détails dorés. C'est du bleu électrique en matière velours. Alors vous avez aussi pas mal de compartiments de rangement, une petite pochette pour mettre toutes vos pièces ou quoi que ce soit, une pochette zippée, j'arrive pas à l'ouvrir, voilà, qui est assez grande et profonde quand même. Et vous avez une petite lanière, je pense que vous pouvez mettre vos stylos. Ensuite vous avez encore une fois une lanière, cette fois-ci un petit peu plus épaisse. Quand je suis sortie du magasin, tout de suite j'ai été sur le site Stephanie Johnson pour savoir un peu qu'est-ce qu'elle fait et aussi connaître les prix. Donc je me suis rendu compte que c'est une marque de maroquinerie de voyage, vraiment des formats adaptés, soit des pochettes, des trousses à maquillage, des petits porte-monnaie, etc. Mais tout est axé sur le format voyage. Et sachez que le plus petit modèle dans cette marque coûte au minimum une quarantaine d'euros. Donc payez ça 17,99€, c'est donné. Et alors deux jours après, étant donné que j'avais repéré une petite pochette de maquillage que je vous montre tout de suite. Elle est loin, non. C'est vraiment l'intérieur, encore une fois, de la même couleur, mais qui a été doublé en plastique. Et là je trouve ça trop bien, parce que quand vous partez en voyage, généralement, quand vous avez des pinceaux trop poudreux, que sur leur roche vous avez mal fermé un petit produit, etc., vous en avez partout. Et c'est pas évident du tout de nettoyer. Donc si vous êtes créateur de sacs, de pochettes, etc., pensez à ça les gars, c'est bien de doubler comme ça. Ou alors une autre matière, j'en sais rien, mais une matière qu'on peut nettoyer, parce que c'est une catastrophe quand vous avez une trousse de maquillage qui est à l'extérieur. Alors ça, mais directement vous pouvez pas, enfin, je pense pas que vous pouvez mouiller. Si je mouille ça, je pense que je le gâche. Mais ouais, ça c'est embêtant quand vous avez une pochette que vous pouvez pas mouiller et à l'intérieur c'est dégueulasse. Bref, donc vous avez trois petits compartiments comme ça pour mettre vos pinceaux ou autre, un petit truc comme ça, je sais pas trop à quoi il sert, et ça reste assez profond. Encore une fois, ça va coûter 17,99€. Et sur le site, ben j'ai pas pu faire un comparatif de prix parce que je pense que c'est encore une fois une ancienne collection, mais quand j'ai regardé le même format pour un autre esthétique, et bien c'était dans comme je vous disais, au plus petit produit, une quarantaine d'euros, etc. Donc pour moi j'ai fait une bonne affaire. Et surtout la marque Stephanie Johnson, quand j'ai vu ce qu'ils proposent, je trouve que franchement c'est pas mal, c'est très joli. Même format pour un autre esthétique, et bien c'était dans comme je vous disais, au plus petit produit, une quarantaine d'euros, etc. Donc pour moi j'ai fait une bonne affaire. Et surtout la marque Stephanie Johnson, quand j'ai vu ce qu'ils proposent, je trouve que franchement c'est pas mal, c'est très joli. C'est pas les highlighters de la marque Laura Mercier. C'est la collection L'Amour Exotique, j'aime bien le nom. Allez, petit rappel de chez moi. La boîte est très jolie également, ça reste sobre. Et j'aime beaucoup aussi le détail, parce que vous avez comme des imprimés zébrés
qui sont en relief, soit un zébré ou soit un détail un peu végétal comme ça, parce que comme c'est amour exotique, je pense que ça doit être tiré des fleurs, de la faune. Elle se présente comme ça, c'est un format carré, j'aime beaucoup ce genre de format également. Et ça reste sobre, très très beau, l'esthétique me plaît. À l'intérieur, un grand miroir, et ça j'adore ça quand les palettes contiennent un miroir qui prennent tout le contour. Et vous avez donc les 4 highlighters. La vendeuse, elle m'avait expliqué qu'il y avait 2 best-sellers et 2 nouveautés, enfin édition limitée. Je les trouve vraiment magnifiques. Au niveau des couleurs, vous avez un cuivré, un acré, 2 dorés. Et vraiment l'esthétique de ces highlighters, si vous avez jamais vu, mais n'hésitez pas à aller en magasin pour voir, pour vous rendre compte, parce que c'est déjà en relief, mais ça rappelle un peu un tissu froissé. Je trouve ça tellement magnifique, j'ai même peur de l'utiliser, c'est trop joli. Et quand j'ai swatché aussi, la pigmentation était trop folle, dingue ici. Quand je suis tombée sur sa promotion au printemps, je me suis dit, ah oui, voilà, c'est pour moi, parce que j'avais comme optique pour la fin d'année de me faire des cadeaux un peu luxe. Donc en tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme toujours, si c'est le cas, de la liker, de me laisser vos avis en commentaire et de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Que je ne sais pas, pour certains articles, est-ce que vous pouvez les retrouver sur Paris, notamment les achats que j'ai effectués chez Primark, parce que comme je vous expliquais, c'est différente entre Paris et le reste de l'Europe. Mais bon, si vous, en tout cas, vous avez vu ça dans un de vos Primark, pas trop loin, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Bon, enfin, c'est tout, je clôture ici, c'est fini les gars, je vous dis au revoir parce que la vidéo, elle va durer très longtemps et surtout que j'ai trop parlé. Allez, comme toujours, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.